Monsieur le ministre, cher Deng Sansuki, dear friends, dear colleagues, it's a pleasure, indeed an honor, to have you all here for this very special occasion. First, because it's the first visit ever, Minister of Foreign Affairs, French Minister of Foreign Affairs here in this country. Second, because we are gathered for que je suis heureux de m'adresser aujourd'hui à l'avocate inlassable de la démocratie, à la militante des droits de l'homme, à l'éminente récipiendaire du prix Nobel de la paix, pour m'exprimer au nom du président de la République et du peuple français le respect, le soutien, l'affection de la France. Respect d'abord, madame, devant l'engagement qui est le vôtre depuis plus de 20 ans, à la source de cet engagement, fier de vous rendre aujourd'hui hommage et de vous réaffirmer son soutien et son attachement. Au nom du président de la République française, je vous remercie le commandant de la Légion d'honneur. This is going to be a bit of a struggle for me, but thanks to my sister-in-law, I'm going to try to get through this in French. So that's me, Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs, Mesdames, Messieurs. Permettez-moi de vous remercier, Monsieur le Ministre, ainsi que votre gouvernement et le peuple français, et d'accepter ce rôle, non uniquement en mon nom, mais aussi en celui de tous les gens de Birmanie qui ont souffert pour leur honneur et l'honneur de notre parti, car nous ne faisons qu'un. C'est en effet une occasion unique pour moi de recevoir une telle distinction d'un pays que je respecte profondément et dont je me sens si proche. Nous avons parmi nous ce soir mes collègues et mes alliés proches, alliés qui m'ont accompagné, résolu tout au long de ces longues années de lutte commune. Parmi eux aussi, beaucoup de nouveaux amis, dont la compréhension et le soutien nous renforceront et nous aideront à surmonter les défis qui se présenteront à nous. J'ai le sentiment profond qu'au-delà des frontières nationales et culturelles, notre foi totale dans une humanité commune lie nos destins. Monsieur le ministre, je vous remercie infiniment pour votre chaleureux discours, témoignage de l'intérêt soutenu de la France dans notre quête pour la démocratie et la réconciliation nationale de notre pays. Je suis profondément touchée aussi par votre référence à mes appréciations des nombreuses contributions françaises au patrimoine de l'humanité, sans oublier bien sûr le peuple français. Lors de mon procès à la prison d'Ansin en 2009, mon avocat m'a porté les nouvelles du monde dès la début et celle-ci parlait souvent
du fort soutien de Paris pour le mois passé. L'ambassade, quant à elle, se faisait fortement porter toutes sortes de livres, me permettant d'approfondir avec un esprit libre l'étendue de la littérature et de l'histoire de la France. Les amis les plus chers sont eux qui, en période de trouble, savent rester proches. La France et son peuple, et surtout les chefs parisiens, garderont toujours une place de choix dans mon cœur. En effet, je suis fière d'être citoyenne d'honneur de Paris. Monsieur le ministre, je m'appréciais à l'idée de lire votre ouvrage sur Montesquieu, car j'aurais voulu mieux connaître les pensées de l'homme qui a été bien sûr identifié l'élément essentiel à une gouvernance démocratique, à savoir la séparation des pouvoirs. Notion totalement d'actualité à un moment où nous faisons tout pour établir les bases d'une société démocratique. Monsieur le ministre, vous avez aussi mentionné mon intérêt certain pour l'œuvre de Victor Hugo. J'essaie de comprendre l'admiration pour lui, car il a su comprendre plus que les autres ouvrages de fiction, ce qui est l'esprit révolutionnaire répandu par la France et par le monde. Cet esprit a marqué l'époque moderne. Bien sûr, j'aime particulièrement le personnage de Enjolras, incarnation du brillant et courageux révolutionnaire. Mais c'est celui de Jean Valjean qui est le plus fascinant pour moi. Il est l'esprit révolutionnaire lui-même. Son triomphe vient de sa transformation totale, de sa récréation totale. Nous voulons recréer notre pays d'une façon qui rend hommage à notre peuple et aux valeurs humaines les plus précieuses. Nous sommes parfaitement conscients de la difficulté de notre tâche, mais nous avons aussi la conviction qu'avec notre détermination et l'aide de nos amis, nous serons en mesure de surmonter les nombreux obstacles qui se présenteront à nous, et je reste certain que parmi ses amis, la France, mais ses bons amis, la France restera forte et à nos côtés. Monsieur le ministre, c'est donc avec fierté et humilité que je viens de recevoir de vos mains cette grande distinction qui est la Légion d'honneur, symbole pour toutes les qualités attendues chez tous les citoyens du monde. Thank you.